La fête du Vaudou est devenue une réalité en 1992 avec le feu chef religieux Sossa Gedengue sous la présidence de la République de Nicéphore Dieudonné Soglo en mémoire de cette action unificatrice de tous les adeptes des religions endogènes. Le député d'Apesosu est allé voir Agassa Danyoro Gedengue, héritier de son père au trône de la chefferie traditionnelle de Huyogbe, avant d'être le président de la communauté nationale du culte Vaudou du Bénin, CNCVB. La présence du député à ses côtés l'honore. Je remercie beaucoup l'honorable pour l'initiative que Dieu et les mains de nos ancêtres gardent, le gardent et gardent sa femme et ses enfants. Et tout ce qu'il fait pour le mono que mon papa Sossa Gedengue fait surtout le mono. Ce 10 janvier, la fête a lieu avec les bénédictions anticipées des ancêtres défunts qui répondent ainsi aux prières de paix à l'endroit du chef de l'État, du député d'Apesosu et des populations du mono.